Welcome to SCB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Welcome back to SCB News, guys. Vous savez comment ça se passe. On est là, LJ Spenti. Mise au mise gros shout out. Il a fait ça de Je ne sais <laughs> pas he le montant, mais il a fait ça de Regardez le it Vous it savez it it you know <laughs> right, uh, on est là. NFL, week 2 vient de passer. On rentre dans le week 3. Il uh, y a eu beaucoup de choses. C'est passé. Plein de blessures. Plein de blessures. Des, des cubics qui sont bench. Uh, des upset games. Beaucoup d'upsets à date sur deux games. C'est même les mêmes équipes qui l'année passée, clairement. Il uh, y a du monde qui m'ont surpris. Les En tout cas, euh, première question, on va aller. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la semaine 2 Je vais aller avec Misogod. Après, quand j'ai fait le sujet, j'avais. Je pense <laughs> maintenant que j'y. Maintenant que j'y pense. Il y en a plein, euh... il y en a plein, là. Le... Il y en a... A... a plein. Non, le... mais il y, a... il y, a... il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué, mais c'est je... 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 quoi Tu t'en donnes quelques-unes. Il y avait celle des uh, Buccaneers vraiment, qui a gagné. Non, j'avais Buccaneers comme. Uh... Ok, euh, avec les euh, euh, les Saints qui sont en train de qui ont roulé. Les Cowboys. Oui, ça j'étais surpris. Non, mais c'était pas ça. C'était quelque chose comme sur genre, tout oui. le football euh, en général. En tant que tel en, en général, c'est que. Mais je pense que c'est quelque chose comme. Euh... Ah oui, c'est les, les quarterbacks comme. Euh... Trash. Ouais, c'est ça. Ils sont, ils font pas vraiment de verges. Je pense enfin, c'est à cause de probablement qu'ils qu font pas de pré-saison. Ils commencent les premières games. Euh... Horrible, so, bien dit. Euh, si. Puis l'autre avant, j'avais remarqué, c'est ça, c'est que c'est à cause des gars que j'avais dans mon fantasy. Les gars qui n'ont rien foutu week one, surtout so, arrivés avec un vengeance week, hmm. euh, c'est pas mal ça. Mais pour les années à venir, là, si, si ça va être encore comme ça, les pré-saisons, les premières semaines, être les en deux, être les en deux, ouais, <laughs> ben, euh, je, je te suis là-dessus. Là en effet, moi je pense qu'il y a aussi, il y a moins, y a moins de ça, le nombre de verges. Ben, pas se compléter mm -hmm. je pense que les QB sont ah, c'est oh, ouais, oh, ouais. Ouais. sévère c'est sévère c'est sévère c'est comment tu vois euh, comme Tom l'avait dit il n'y plus un programme de football c'est vraiment là où on met des gars on, on espère qu'ils vont baller dès le début on, est, on espère que durant l'off-season ils font ce qu'ils ont à faire on espère mais ce n'est pas le cas les gars sont en train de chill, vivre, leur vie, vivre leur vie le football a moins d'importance pour la majorité des joueurs c'est plus l'argent et, ce, et, et créer une, une fortune pour ouais. leur famille c'est plus comme avant. Le, le côté, je veux gagner, je ouais, veux ça, avoir un championnat. C'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est maintenant, I'll make my bag first. Once I got my bag, I'll play. Ça ne me dérange pas ça. Moi, c'est juste, le produit de la NFL cette année est vraiment, vraiment. Il, Il est pas, pas compliqué. Under... Ouais, c'est ça, exact. Il est underachieving maintenant. Je pense que c'est le seul QB qui a lancé plus que 300 verres chez Derek Carr. Je <laughs> ne même pas. <laughs> Il n'a pas lancé 300 verges Peut-être, oui, first week. Peut -être, peut -être, non, la first week non, non, non. Second week, sûrement. Peut-être second week, mais la first week, il, il a fait tous ses stats, puis il a fini genre genre 230. Euh, et, et, so, il n'y a pas beaucoup de QB qui ont eu 300 verges. Mm -hmm. euh, il y a une différence de genre 40, ah, 30 à 40 touchdowns euh, scorés dans les dernières années, euh, à, à comparer aux dernières années. Euh, so, offensively, euh, le power curve de la NFL live est vraiment, vraiment en bas de qu est ce qu'il a normal. Absolument. Et une chose qui m'a plus surpris c'est les Top Dog. Top Dog Team, Ravens, Bengals qu'on connaissait, Miami Eagles. Et... It. Top, les Top Dog Team sont en train de nous décevoir beaucoup. Et je me dis, est-ce que c'est une bonne chose maintenant qu'on sait pas quelle équipe qui est top Non, c'est plus qui va je, en premier. Est-ce que est-ce que, est que le fait que le, le football n'est pas à son pic, ça rend toutes les équipes médiocres, dont les Raiders dont les, euh, 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 j'allais dire, les Commanders, autres équipe sont un peu « under low », fait que ça fait des games intéressantes. Right? C'est plus « tight », c'est plus le fun à regarder. Bon, euh, je dirais pas que c'est plus le fun à regarder, parce que les games étaient vraiment plates les deux premières semaines. Oh ben non, les scènes c'était fou euh... Mais c'est euh, pas la game que tu allais écouter. Non, on a écouté la game Bengals euh, Chief, qui était une okay, okay, oui, est là, était une, Lyon, qui était une grosse game. Ok, oui, c'est là c'était la même. Lyon, qui est une grosse game. Titan's Jets, c'était une bonne game. Toutes les games sont tight. Il n'y a aucune chance que tu as mis la poste de la télé sur les Titan's Jets. Regardez. Moi, je n'ai pas regardé ça. <laughs> Mais c'est juste de dire que les gens qui regardent, c'est intéressant. Moi, je pense, encore une fois, les, les joueurs sont pas ils sont pas de pré-saison. Mm. Comme les top teams ne sont pas encore en forme, c'est-à-dire les teams qui sont un peu moins bons. Comme les teams qui sont moins bons, ils ont plus joué leurs joueurs en pré-saison que les grosses teams. Les grosses teams ne jouent pas leurs joueurs. Ça se voit, ils sont plus prêts. C'est ça. So, mm -hmm. euh, es une, une équipe comme les Titans, tu vois que comme tu es arrivé, puis les gars savent quest ce qu'ils doivent faire, ils connaissent leur rôle, les gars sont prêts à jouer. À part le QB qui mmh. fait des turnovers mmh. <laughs> tout le temps. Là. Le le de team, team est vrai. Ouais. Alright guys, on va aller dans la le côté news. Bryce Young bench pour Dalton. Good thing, a bad thing. Real quick. Good thing, a bad thing. Good thing pour Bryce Young au moins il va pas se faire tuer en arrière la la houlaine des, des des Panthers. Puis mm -hmm. Andy Dalton c'est un proven gunslinger, donc so il aura pas peur de lancer des des pics. Ils vont lancer la boule puis ça va peut-être avancer l'offense des Panthers un peu. Bon, bad thing pour Bryce Young parce que hmm, sa pense... carrière. <laughs> ouais ils ont, fait... ils ont un vague sur lui. Pis ça va être dur euh, comme le rehabilitate euh, je pense que ici ce he, he, ghost c'est qui le il le, le, y avait un autre QB qui voyait des ghosts euh, à Jets non c'est pas Baker non oh, non Zach Wilson c'est Zach Wilson, ouais, Zach Wilson. Bah, ça, Wilson. Il... mais il ont fait la même chose à Baker il rentre dans cette catégorie Baker je vois mieux lui que ce qu'il a donné Et a fait une saison avec les Browns oui il était voilà. trash mais il fait une saison non mais quand il était au Panthers ouais aux Panthers ah, ouais, ouais, Panthers ouais, ouais, c'est un Chili organisation à ce moment là c'est l'organisation complète comme je peux pas blâmer Bryce Young comme, oui Bryce Young sûrement la, la confiance est comme à zéro mm -hmm. mais toute l'organisation des Panthers est, est dégueulasse next big news euh, McCaffrey et Deebo sont tous les deux blessés sont quelques semaines sans, sans jeu uh, really bad news for 49ers it's been years I've been telling them je pense que Kero est out en plus pour c est out en plus ouais. okay. oh ben c'est fini c'est fini ils, ils vont perdre toute non, la prochaine et game Kero c'est one week OK, mais Stills. Ibo, je ne sais pas c'est combien. Puis CMC, ça peut être, ça, 4 ça peut à 6. être la, la saison, bro. En plus, aux... j a, j a, la saison... Je ne te dis pas c'est la saison. Je te dis ça se peut que ce soit. Moi, je te dis c'est bad news pour... 10 euh, semaines. Pour les Niners. Bad news pour Brock Purdy. On va enfin voir... Attendez. J'ai ça depuis longtemps. Pas de match au gars, mais j'ai ça depuis longtemps ce ouais, Que les Niners soient irrelevant. Non, que Brock Purdy soit arrêté d'être mis dans les tops. C'est Mr. relevant. Pour une raison, il va rester Mr Irrelevant, il ne va pas sortir de cette catégorie. Est-ce que Jalen Hurts a fait prime time Oh, comment c'est pas là Moi je pense que c'est, il y a toujours un running back, Mason. Mason, oui, que, tu va peut-être le sauver, uh, mais pas assez. Il y a son, son go-to guy, c'est still Ayuk, donc so grand mm -hmm. Ayuk va, va reprendre la forme. Joanne Jennings c'est un bon wide so, aussi. Je pense qu'il va still être Irrelevant. Uh, Est-ce que les Philadelphia vont absolument dominer comme la ligue, mais non, pas nécessairement, mais. La défense est toujours top tier. C'est ça, il risque de, say... de faire les playoffs. Let's see, gars, let's Il va avoir un streak de défaite, ça va être fou. Je vais voir, oh my god, Rock Puddy Who. Next on, one. On sent toi dans ton camp en premier, ok? Ok, oh, dis one drop. Ça, c'est one drop. It would changé le the game. Ok. Uh, Pacheco Patrick, Patrick est blessé pour série de semaine aussi, uh, des, uh, pour les Chiefs. Big loss, mais ça, je m'inquiète moins. C'est pas grave. Parce que mmh. c'est Mahomes. Mahomes will make it work. Bon, moi je trouve que c'est plus grave que les, les injuries de 49ers. Parce que mais non. Oui Mahomes gonna make it work, mais Pacheco c'est genre le hard comme le soul. C'est d'un team qui est quand même finesse, c'est le gars qui vient mettre la physicalité dans la offense. So. Really. Euh, c'est ça, je trouve que comme ils vont manquer, ils vont manquer un, un mini piece. Comme Pacheco. <laughs> Pacheco. Pacheco, Pacheco l'année passée, s'il si, n'était pas là, je pense. Euh, la raison. La offense n'aurait pas pu fonctionner mm. aussi bien. Aussi bien, ça a raison. So, je pense que le fait de plus avoir de running back, comme, ça va changer quelque chose. Je pense que va, va être plus important que McCaffrey ou il vaut Pas que l'IST est meilleur, mais les Follinanus sont mieux équipés pour handle le... Dans, dans mais cela' a quand même fait genre 150 balles, <laughs> rushing, ça. receiving. Mmh. Enlève Pacheco, il a pas un de leurs running back qui va faire la même chose que Pacheco fait. là. Non, Donc, mais t'as quand même beaucoup d'arsenal autour pour t'aider à quand même que la défense soit une stratégie différente quand ils voient les Chiefs. Toi, les four Niners, Jenny ne me fait pas peur comme ça. Je pense euh... pas que la défense qui joue contre les Niners change tant leur game plan si CMC est là ou pas là. Parce oh, que... absolument! Qu'est-ce que tu me dis là? Moi, mais je pense que si pache vous... sans Pacheco, ça change plus que sans CMC. Si tu regardes les Chiefs mmh. live là, à part euh, Rushy Rice. ouais C'est lui qui fait Moi quelque aussi. chose Ouais, wow, ok. Il y avait, il y avait une un... de la première game. Mmh. c'est par surprise. Il, y avait, il y a fait un, 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 un jet sweep. Ouais. puis euh, ouais. Kelsey doit se réveiller, mais Kelsey. Il n'y a rien fait à date. So, à date, tu regardes les Chiefs, tu es comme... Okay, euh... cool. Je bon, Mais on va voir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Mais rien, on va voir. On va voir les prochaines games. Mais moi, je vous dis que... Pour Niners on année, on to lose lose, Et un Chief, au moins 2-3 games win. Parce que CMC, Offensive Player of the Year, candidate tout le temps. Le truc, il, il je pense que ça fait plus mal que Pacheco. Mais ouais. les deux font... Moi, je pense que Pacheco fait plus mal aux Chiefs que CMC fait mal aux... Ok. Pour Pokop et pour euh, blessé. Les Rams, tout de mode, ils ont pas de, ils ont pas de D-line, ils ont pas de defense pour arrêter la course. Et là même ils ont plus de euh, offensive key, euh, key player pour avancer le terrain. Donc really, really, really bad pour les Rams. Ouais, c'est pour moi c'est Gigi. Mm -hmm. euh, Stafford. Déjà là, quand Cooper s'est c'est c'est blessé, c'est comme si ça savait plus à qui lancer. On sait tous un gars qui aime target le même joueur. Là c'est deux deux gars, deux top gars sont, sont blessés je pas comme c'est pas un gars qui m'a déjà montré qu'il est capable de spread de ball donc je pense que ça va être top pour les les reste de la saison moi moi je suis déçu parce que j'ai coupé un dans mon fantasy j'avais CMC dans mon fantasy mon aussi, j'ai CMC et Dibo moi mes league winners sont toutes blessés. puis je sais pas c'est la c'est pas l'affaire que se sont blessés c'est l'affaire que les deux c'est comme vague leur blessure, c'est comme personne ne sait combien de oh, temps ça va prendre. Tu pas les Exact. Ils sont pas out of season. Ils veulent pas dire qu'ils sont out pour longtemps, ils veulent pas dire qu'ils mm. sont out pour pas longtemps. Suis... Moi, j'ai pris des backup running back. là J'ai pris Mason uh, Real Quick. Là, tu as fait un gros move. Real Quick. Alright, guys, that's pour les news. Uh, hot takes now. Hot, 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 hot takes. Frank, that's for you. <laughs> Une autre commotion pour toi. Toi, encore fait des gang signs. On l'a <laughs> vu. Ça fait Exactement. deux fois fait des gang signs sur le terrain. Comme si tu sais pas qu'est-ce qui se passe avec Monsieur. Euh, comment le management des Dorphins devrait gérer la situation pour l'avenir et euh, comment on peut éviter que ça se reproduise avec toi. Ah, premier premier Premièrement, toi dois comprendre que faut qu'il arrête d'être truck stick des gens. Mon Dieu, tête ça, première. Ça c'est je... un. Puis deux. Premièrement, le hit était pas si fort que ça. C'était c'était ouais, un hit bien normal. Qui qu'il scène qu sène qu'il le at night euh, <laughs> si je suis toi faut, faut, faut à, non mais c'est rendu que c'est c'est pas comme c'est rendu même plus drôle <laughs> parce que moi, ils vrai. vont convulser à chaque fois qu'on le frappe mon cher prochaine fois quand il va revenir mettons dans 4 semaines il va manger un sac ils vont convulser encore ben ton légumes. c'est ça que je dis moi à un moment donné bro t'as eu ton guarantee money take it man t'as 26 ans moi je te dis pas quoi faire mais moi Go home, go enjoy your life. T'as plus besoin de ça, mon gars. Quand tu prends un hit normal puis tu convules sur le terrain, il y a un problème. Donc, on, on, le, on le force à retirer. Tu te à ta retraite. Oh, on, ta... Le, on le force pas à retirer. tu es d'orphine, est-ce que tu le forces à retirer ou tu te dis parce que Tu es d'orphine Moi, moi j'ai dit de prendre sa retraite. Même si c'est mon QB à moi, c'est moi le head coach, j'ai dit de prendre sa retraite. Ok. Parfait. Euh, pour toi, je l'ai avec toi tout de suite. C'est mise au God. Une autre défaite pour ta, ton sleeper, ton sleeper team, les Jaguars. Tu as toujours pensé qu'ils allaient faire un comeback à un certain point. Ils allaient eu un bon team. Ce n'est pas très, très bon en ce moment. Peut-on encore éviter de parler de Trevor Lawrence, Lawrence comme l'un des plus gros disappointments? <laughs> J'aime <le, rire> la phase. disappointment après euh, la prolongation de son contrat. Euh, C'est ça comme... Euh... Lawrence, c'est un des QB que euh, comme personne met du hit sur lui et là il performe pas bien chaque année euh, et on a des expectations pour lui puis comme ils de achieve, euh, so là moi je suis comme malgré que je pense qu'il devrait avoir une meilleure saison je pense encore qu'il peut encore compete dans la dans, dans sa division euh, c'est pas normal que comme pour commencer chaque saison ça soit comme il soit mm. aussi horrible donc euh, so, moi je trouve que Trevor Lawrence il aura, ils auraient dû le faire, pour qu'il méritait son contrat. Euh, euh, ils l'ont payé, comme Max puis il y, y a rien, il y a rien montré il y a rien montré pour dire que oh, tu mérites d'être un des top quarterbacks payés. au moins le, si je compare avec Jordan Love, Jordan Love première saison il a joué, tu vois il a, il, comme, il a, il a dérangé ça, il est allé en playoff. Euh, je sais que Trevor Lawrence est allé en playoff une fois, mais depuis là on t'as plus jamais revu puis as en deux performes chaque année après ça. So, ouais, Trevor Lawrence, c'est un gars que je pense que cette année, c'est. Euh, je, je sais que c'est pas un make or break year parce qu'on vient de le signer, mais c'est l'année que genre, en tant que fan, on va pouvoir dire ok, on va le mettre dans Derek Wagon mm. Comme si, oh, si il fait wow. pas les affaires, t as, t as, t as, ce gars il peut jouer, mais il est pas bon là-dedans. Like wow. oh. Moi, il est déjà un pied. Euh... OK, oh, <laughs> a un, un pied avec Derek. Un dedans. But, no disrespect, Derrick Curb live c'est le MVP candidate. Mm. So... <laughs> mais Phil ou Lawrence? Mayfield je prendrais live ouais. live c'est Mayfield je suis le garder ok uh, last uh, take on va retenir ça parce que c'est quand même une grosse affaire ça le Bryce Young, Bryce young subject est-ce que vraiment c'était juste une sensation universitaire ou il y a encore un potentiel pour lui s'il si va dans une autre organisation avec une meilleure line avec plus de weapons parce qu'au panthère il n'y avait absolument rien il y avait no way on a retiré son seul white qu'il avait il est toujours en train de devoir éviter de la pression uh, clairement à cause qu'il n'est pas habitué à avoir des weapons autour de lui. Euh, il ne sait pas à qui donner le ballon. Et aussi, il euh, veut pas, il est petit. Il est très, très petit. Puis, l'année de son draft, on avait dit que son size peut être un problème. Mais, quelqu'un qui est en train de prouver le contraire, que le size doesn't matter, Karl Murray. Karl Murray. utilise ses jambes all the time. Il gagne du temps, puis il sling des balles. Il a la vitesse, lui. Bastian avait une vitesse, vitesse universitaire. Il pouvait courir. Il n'est pas, pas aussi vite que Kyle mais il peut courir. Pour moi, c'est une question de ou laisser dans une meilleure, meilleure organisation avec plus de weapons. Là, qui voudra prendre un Bryce Young qui a été deux en, deux en 16 ou deux en je ne sais pas combien de, 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 de games qu'il a joué dans la NFL? Personne. Ça, c'est ça qui est chiant. Il faut donner une opportunité. Ce n'est pas terminé. pas terminé. Je pense qu'une bonne organisation donne une chance, comme un, un, un Baker Mayfield, comme un evil, evil, evil. Sam Darnold. Sam, Donald, Sam Donald, exactement une place. Tu you know. es d'accord que c'était une grosse déception, Young? sa carrière n'est pas finie comme il, il va sûrement start dans trois semaines 4 un mois quand, les, quand ils vont voir que fucking Andy Dalton est trash aussi mais oui puis, il va recommencer à start mais l'équipe des Panthers est juste trash that's it puis il n'y a, a personne c'est tout tu comprends là, regarde si comment il joue la, le gars qui joue au styleuse The de Center peut jouer arrête donnez-moi donner une chance au partenaire ouais, la, la meilleure chose qui est arrivée c'est que ils ont ils ont trade les trades pour Bryce Young, si mm -hmm. Jay Short est allé à Houston, c'est la même chose qui est sortie des Panthers. Justin Field, pour comparer, c'est malgré qu'on disait qu'il n'était pas bon, il était capable de quoi On lui a montré qu'il faisait mm -hmm. des stats, il était capable de faire quelques touchdowns. Mm -hmm. Bryce Young, il ne fait rien de ça. Là. Comme, il finit une game littéralement avec 70 verges par la passe. C'est vraiment. Drôle, fait, même court. si ton organisation est poche, c'est très trash. C'est c'est euh, ouais, ouais, je comprends. All right, Spotlight Team, guys. Mm. Euh, on va prendre une équipe euh, qui nous a. Surpris, euh, euh, qui sont 2-0. Une équipe qui nous a surpris. Mais tu es obligé, 2-0 Non, non. Okay. Mais même 1-1, je l'ai accepté. Okay. puis surpris, 0-2. OK. OK. Tu t'as déjà un sourire, déjà ah, idée tu déjà une des Tu as qui... Tu, tu as surpris pour le oh. oh, la, la Tu oui. no, 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 il a été chanceux. Nah, nah, nah. On s'est tiré dans le pied. Barkley a fait un drop qui nous a tué. Ouais. et La défensive de Eagles ont dormi sur le, le gaz. Juste pour à ça. le drop vous a pas tué. Votre défense vous a tué. tué parce que vous auriez pu arrêter le. Maddox. Vache. Oui. Vache. oui, oui je suis déçu. Vache, gars -là. je suis déçu. je suis vais pas. Je vais pas dire le contraire là. C'était affreux là. C'était affreux. Mais. Okay. Tu, tu, veux, tu veux mon vrai? Mon vrai vas-y, vas-y. Bon vous, vous avez tout shit on them au début de la saison. Qui est Twin O? Qui est leader de la division? Baggins. Et Buffalo fucking Bills. Ah? Ah, je te donne! Et Buffalo ah, Fucking Bills. Josh, fait... Josh Allen a fait ce qu'il devait faire. J'ai dit Josh Allen MVP la semaine passée. La défense est nice. Mm -hmm. James Cook est fucking nice. Okay, nice. Josh Allen fait ce qu'il a à faire. J'ai vu, vu qu'ils ont, qu ont arrêté de lancer la balle autant de fois avec, euh, que, avec Josh Allen. Il lance plus des 40, 40 passes de temps par game. Là, c'est James Cook Show. Le gars, il fait, il fait genre 100 verges par game. On est, est, on est bon. T'inquiète. Buffalo Fucking Bills. On 2-0, mais euh, moi, mon deux masque, c'est les Vikings. Les Vikings 2-0, Sam Darnold. On s'attendait mmh. euh, à ce que. On pensait que ça allait être DJ McCordy, s'est blessé. Tout le monde était comme Ok, les Vikings Terminé. vont être trash. Euh, je pense que plein de monde n'ont pas draft Justin Jefferson dans les premiers dans leur fantasy parce qu'il est comme. Il n'y a pas de QB, il n'y a pas de <laughs> QB. <y a> <laughs> puis Justin Jefferson <laughs> est en train de hit. Euh, les gars viennent de battre les 49ers straight up. Il n'y a pas eu d'overtime. Il n'y a pas eu de. C'est pas, pas, de... pas pareil. C'est ça. Ils ont juste battus. So, les Vikings, pour as moi. C'est hein? pas ma team. <laughs> c'est pas, <laughs> pas ma team. Je so, suis uh, Eagles un Pour moi, les Vikings, c'est l'équipe qui est Toeno qui m'a vraiment surpris. Euh, pour commencer la saison. L'équipe à Mizogol, à Nikki. Euh, les Saints Non. Oh oui. Oh, mais les... ça, je ne suis pas surpris Je l'avais call. Les Cardinals. Arizona, Carl Magic, yo, ils ont cook. Qu'ils ont cook en 5 minutes, en 10 minutes Les Rams. Oh, les Rams, ont cook les Rams en 10 minutes. That was crazy. Pour moi, c'est comme dire, vous n'êtes pas de notre niveau. Oh. Arrêtez. Am nous, les, amenez, nous, les top dogs. On est venu jouer, on est venu gagner. On va mettre James Conner puis Carl Murray. Les, les hey, locals. hey, c'est crazy. crazy. Jusqu'à temps ouais, que Carl oui. Murray euh, se <laughs> blesse. Parce bon, que je pense qu'il joue stratégiquement là. Ah, il va faire ça, il fait ça à chaque année. Week 5, week 6, il prend un vieux <laughs> hit, mon gars, puis, It's done il die. Euh, le 0-2, je vais je vais. Mm. Mm. <laughs> mm. Qu'est-ce que tu vas? Euh, le 0-2, je suis plus saisi pour moi, c'est. Euh, même pas les Bengals. Je veux dire les Ravens. Les Ravens, je suis extrêmement déçu. Vous avez perdu contre les Raiders. Vous n'avez pas honte? Oh. Vous n'avez pas honte? Mm. Tu sais Comme... qui était un Ravens fan? C'est Mac Non. C'est styluse. Moi, j'aime mieux les Ravens. Non, non. mais Pas cette année. L'année, ils font pitié. Euh, défensivement et offensivement. Derek Henry, fuck, man. Peasant Henry. Peasant. Il recommence à faire du peasant Il a fait ses list. stats. Comment Il a fait ses stats. C'est pas assez. C'est pas assez. Tu vois, tu dois cook tu dois prendre le. Comme tu fais le t tu dois prendre les Ravens dans ton dos avec le Il est making bad decisions. Il peut pas lancer le ballon correctement. Il détend pas bien. Readers, wake up. Ça, c'est mon 0-2. 0-2, c'est aussi les Ravens um, Thank you. Um, <laughs> thank you. Et moi, ce n'est pas à cause de Derrick Henry. C'est plutôt que les... Bon, en direct, l'équipe ne sait pas c'est quoi leur identité offensivement. Ils ne savent pas s'ils veulent passer, s'ils veulent run, s'ils veulent jouer de tight ends, s'ils veulent jouer avec trois receveurs. Euh, les gars font juste des, des, des jeux comme. Des screens. Des Screen. Des Reverse. Euh, puis la défense est étrangement pas aussi dominante qu'ils l'ont été les autres années d'avant. So, euh, pour moi, les Ravens, c'est. Puis voilà, les c'est le plus, la plus grosse. Crazy. Un euh, Moi, ma plus grosse surprise, parce que j'avais des high hopes sur lui, des, euh, les Broncos. J'aurais vraiment aimé que les Broncos startent mieux que ça. Et que Bonix. 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 Bon mais quand même mm. quand même il y a des limites il commence à ressembler à Will Lewis. Onyx commence à ressembler à Will Lewis. et c'est pas une bonne chose mm. j'aurais aimé ça que les, les Broncos soient meilleurs que ça offensivement j'avais draft euh, dans mon fantasy j'avais draft euh, Cordlin Sutton j'avais draft leur euh, deuxième running back euh, McCollum pour euh, pour ce qui est des receiving yards et tout ça puis leur offense fait absolument rien pis leur defense qui est habituellement bonne, se fait stomp. Yep. Donc, 4 Cardinals, euh, bon. Um, Bills. Bills. Et puis, moi j'ai dit Vikings. Vikings. Euh, et mauvais. Uh, Ravens, Ravens, Broncos. Alright. Guys, là on va aller à la dernière section de cette partie-là. Game of the week, avant qu'on mm -hmm. passe à euh, les bettings sur le next épisode. Euh, game of the week, guys. Euh, je suis comme surpris de vu ces games-là. Parce que c'est deux équipes trash. Mm. Mais, regardez, regardez, mais je pris. regarde. Regarde. Je, je vais le dire aux gens. Tu pourras <laughs> t'expliquer après. Parce que les gens vont te dire Waouh, mais qu'est-ce qui se passe avec eux autres Ravens versus Cowboys. Why is it the game of the week? Explique-nous pour faire une analyse sur qu'est-ce qui va se passer parce que pour moi, euh, on va boring, mais continue. Game of the Week parce que c'est deux teams qui sont, en rentrant dans e la saison, c'est des teams qui sont considérés comme Up des. C'est ça qui peut aller au playoff. Je trouve que les gens vont toujours te dire, genre, quand tu commences ON3, euh, ta saison est probablement dead. Euh, les, les Ravens sont commencés ON2. Euh, si tu regardes les, les Cowboys, eux sont euh, 1 et 1 mais comme s'ils perdent cette game là contre les Ravens one and two. puis tu regardes comme les équipes qui qui se démarquent c'est comme tu sais que ces équipes là vont commencer la saison pas bien s'ils ne font pas un run durant le milieu de la saison c'est déjà une game pivotale surtout pour les Ravens parce que les Ravens ils ont une division qui est déjà difficile à la base ils ont les Steelers ils ont les ils ont les Bengals ils ont les, les Browns puis je sais qu'ils vont jouer vu qu'ils ont fini premier contre les les meilleurs de chaque division so. Euh, les events pour eux, c'est s'ils viennent pas jouer cette game là, c'est presque équivalent à pas faire les playoffs euh, cette année. So, euh, c'est pour ça que j'ai mis cette game là comme game of the week parce qu'ils vont devoir jouer cette game là comme si c'est un make or break. C'est ça, make or break. Ouais, make a break game. Et, et ton analyse? Euh, pour moi, c'est ça devrait être une game Derrick Henry comme ça dit. Les gars vont devoir se décider de choisir. S'ils veulent passer la balle, décider de passer la balle, mais comme vous allez devoir choisir un style. Euh, c'est une game, Derrick Henry devrait pouvoir comme run, comme rush over le, la défense de, 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 de Dallas. Puis si tu regardes Dallas, leur défense, comme je pense, they be leaking all over the field. Tu peux avoir set up le play action pass, lancer à Zee Flowers. Um, so, je ne dis pas que les Ravens vont gagner, mais c'est comme ça que la game devrait être si s'ils veulent avoir des meilleures chances euh, de gagner. 20. Euh, tu veux que j'analyse la game ou... Analyse la game. Game of the week, expliquer. Si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est ton choix. <laughs> je, je suis d'accord parce que c'est... Non, je suis d'accord parce que c'est deux gros fanbase, c'est deux grosses équipes mm -hmm. qui ont vraiment mal commencé l'année. So, 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 tu peux pas gérer, ben, tu peux gérer ça. Commencer l'année de merde comme ça. Anyways, euh, moi, cette game-là, je vois quand même les Ravens win. Il faut juste que les, les Ravens se décident, -ce comme Nicky a dit, faut qu'ils décident leur, leur, leur playstyle en offense. Euh, moi des screens puis des, euh, puis des petites slings pass à Z puis à, ça marche, comme ça marche pas. Faut que tu des, des mid-routes. Et comme Lamar Jackson ne lance pas plus que diverge en avant. Comme ça fait absolument aucun sens. Il n'y a pas de hook, il n'y a pas de post, il n'y a pas de corner, il n'y a, a rien. Comme c'est un screen ou une run. Mm -hmm. Ou un, un genre de RPO run euh, Bizarre. bizarre. Donc, so, il um, faut que les Ravens s'améliorent en offense. et je pense qu'ils devraient être capables de battre les Ravens. All right. Et les Cowboys. Euh, moi, personnellement, d'accord avec les deux analyses que vous avez faites. Sincèrement, si Ravens ne court pas le ballon sur les Cowboys, il y a un problème. C'est rendu là penser à trade euh, Derek Henry pour euh, hum. Derek Non, mais parce que yo, tu me dis, tu l'as amené pour pas courir. Tu peux pas me dire, je vais commencer à passer, cool. le passer le ballon. Ouais, mais ils vont si... pas courir avec 30 fois. Non, mais un RPO, play action, il faut que tu rentabilises ce, ce, cette, cette acquisition. Le, en ce moment, c'est pas rentabilisé. Tu l'utilises juste pour faire des touchdowns d'une verge. N'importe quel back qui a du sens à la NFL devrait faire ça. I'm sorry. All right? You're right. Donc, ça devrait faire ça. Pour les Cowboys, les Cowboys, malheureusement, la défense des, des Ravens qui devrait euh, non, même pas. La zone des Ravens n'est pas une grosse défense, selon moi. Sans que tous les weapons offensifs des Cowboys, à part Running back mais tous les weapons wide offensifs des Cowboys sont un peu meilleurs que les DB des Ravens. Donc, so, si je suis Cowboys, je passe le ballon all the way. Dès qu'il y a un on one-on-one, je l'essaie à cd comme Dès qu'il y a un man-to-man, cd J'hésite même pas là-dessus, parce que je pense que c'est un peut chier la game. Si, si les Cowboys le win, il faut qu'ils utilisent les lames. Wow, wow, ouais. ouais. C'est le seul. seul, seul c'est ça. Mais les autres White, ouais, je ne les connais pas, mais je pense que les autres White ouais, aussi, quand même, avec l'expérience de Dak, je pense qu'ils peuvent quand même trouver des openings pour ces White. Là, c'est mon analyse. Mais euh, je donne la victoire à Raven. Je n'aime pas les Cowboys, c'est des frauduleux. Pas Cowboys. Ça m'arrangerait bien. Oh, les... ça m'arrangerait <laughs> énormément. Pas Cowboys. <laughs> mais la NFC, est trash anyway. Yeah. <coughs> <coughs> mm. Mm. Giants, c'est trash. Oh, boys c'est trash. Commander, c'est trash. Eagles, c'est Par boosté. Parle pas de juste la division. Parle du NFC au complet. Moi, c'est ma division la plus importante. Juste te le dire. All right. OK. Sur ce, gars, de quoi rajouter. All right, guys. Uh, attendez pour la prochaine section. Like, share, subscribe, comment. Thank you for watching us. Merci, guys. Back to SFB News, section betting, pr prédiction. You know what time it is. Mm -hmm. On s'excuse. Excuse, s excuse on encore, est, encore. On est 0-2. Ma faute. Comme la <laughs> fête laugh des singles. Don't do poorly, do straight. Écoutez Nicky. Écoutez, écoutez, Le but c'est de faire le, <laughs> le poorly team. I know, <laughs> I know, <laughs> mais si je nous suivre, on fait. Nicky, Nicky, two, two and one. Plus de temps sur choisir la team moneyline. Mais vrai, vrai, vrai. Vrai. tu vois, tu vois, c'est ouais. fucked up parce que I had a feeling. J'aurais pas dû écouter le feeling. Parce que l'autre team a win. Ouais. C'est c'est qui l'autre team? Euh, je me rappelle plus Mais je me rappelle que j'avais t'avais dit, t'avais dit Colts. Puis là j'ai dit Colts. Là j'ai dit, non. Nah. Puis là, moi j'ai dit, tu sais quoi, c'est ton pick. J'ai dit, c'est ton Pas queuse. Ouais. T'avais dit pas T'avais dit pas que T'avais dit pas J'ai dit non. Moi j'ai dit qu'on Le culé <Q> blessé. Le <laughs> dit blessé, t'as dit, ah non, Colts, tu <laughs> me rappelles. Non, ils ont encore perdu par genre 4 points. 6. 6. Alright guys, uh, Mizoga, you know what time it is. Uh, prédiction pour nos uh, fans pour la semaine trois Ok, la semaine passée, j'ai pas fait de vidéo finalement. Euh, so, cette semaine, je suis bien ready. J'ai plusieurs bêtes. Plusieurs mm -hmm. euh, so, mon premier pick, ça va être un peu étrange à dire. Ça va être euh, euh, George Pickens, on veut 45 verges. On euh, sait que c'est Justin Field qui lui lance le ballon. Mm -hmm. euh, so, de le voir. De, 44 verges, son line c'est 44 verges. 44 verges, oui. Donc je pense qu'il peut se rendre jusqu'à 75. Et mmh. je pense aussi qu'il fait un touchdown. Hey. So, euh, j'ai regardé, j'ai vu, vu Pickens la, la semaine passée, il jouait contre euh, bon. il Et c'est de... ouais. Patrick Sutton qui le surveillait, puis il crée de la séparation. Il a fait un cache de 50 verges. Yeah, ça, ça a été callback. Call là, il va jouer contre uh, Asante Samuel Jr. Et lui, c'est un gars qui check le, le, le QB. Puis, il sait que Justin Fields est un QB qui peut courir, Donc, il, il serait capable de le voir, genre, descendre. Puis, Justin Fields fait se lancer un ballon, on veut de top. Et on sait que Pickens, c'est un gars qui catch les, les jump balls. So, Pickens, on veut 44 ou 45 verges par la passe. Si vous voulez le monter jusqu'à 75, vous pouvez le monter jusqu'à 75. Euh, mon deuxième bet, ça, ça va être. Euh Laver contre les eagles au laver um, pour le reste, je pense que je vais être sans verge <laughs> sans verge un td pour au laver les eagles sont juste trash. We're so j'ai sur les rashid chaïd so aussi, longest reception over 20 verges. Put some respect uh, like uh, trash. to Maddox Maddox, c'est lui qui va couvrir Rashid Shahid Puis on sait mm. que les deux games à date, Rashid Saïd a commencé avec un straight up td, straight up palm. Uh, ces deux gars-là, je les vois marquer touchdown, les Eagles. Euh, train... Je ne <laughs> <On> respecte <laughs> pas votre second demi cette semaine. <laughs> J'allais <laughs> exactement dire, <laughs> Rashid Shahid. Euh, oh my god. Okay. Un autre boy que, <rire> que <rire> ça va être... Euh, <laughs> ça va être Goodwin de Tom Pablo News au 60 verges. Euh, euh, la semaine passée, il a fait 114 verges au first half. Pour, 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 pour X raisons, il n'y a eu aucune Pardon. balle de second half, mais euh, maintenant, il joue dans le slot. Euh, puis il joue contre, contre qui joue cette. Il joue contre je veux dire ça maintenant. Buccaneers joue contre euh, Broncos. Ah il joue contre Broncos. So, so, Patrick Systine va être contre uh, Mike Evans. Mm -hmm. so, je pense que Goodwin vu qu'il a déjà commencé, il y a un bon rapport avec Baker Mayfield. Je pense que ça faisait peut-être deux ans comme on... il faisait ses affaires mais il était plus il était pas comme retourné au All-Star level qu'il qu était avant. Euh, Soit là je pense que c'est c'est son temps puis ils ont pas encore monté ses odds. Oh, la première semaine c'est 57 la semaine 2, c'est 58, maintenant c'est à 60. Je pense que ça va être un gars il va être à 70 comme au milieu de la, au, au milieu de la saison. C'est un gars qui va être à 70 every week. So, um, Profitez-en pour mm. Goodwin. C'est quelque chose que je vais dire d'autre. Um, J'ai Jackson Smith et Jigba dans, dans Seahawks. Les, les, les Dolphins on a vu euh, ils, ils ont pas de defense ils ne savent pas défendre de les, les DB on a vu caler chacune les cooks avec euh, peut-être 5-6 catches so, je vais dire Jackson Smith et Jigba peuvent faire la même situation je pense qu'il a le même rôle mm -hmm. euh, il va les déranger dans le slot so, je trouve qu'il est meilleur c'est ça il est meilleur, est ça, il, il, il est meilleur. So, si tu veux si vous voulez euh, Jackson Smith et Jigba euh, peut-être 5-6 catch si so, tu veux le monter jusqu'à 100 verges jusqu'à 100 verges parce que moi je suis audacieux puis un touchdown et le dernier, ça va être... Euh, comme ça, ça va être... Euh, Jordan Mason, Mason contre les um, Rams. Les Rams, oui. Deux touchdowns. Ouais. Euh, C'est ça. Miso God is cooking. All right. All right. Là, on va aller avec pré euh, prédiction pour la semaine 3. Euh, bon, on va commencer avec la meilleure game de la semaine. Uh, Eagles versus <laughs> <Everest>. <laughs> Saints. Prédiction et un petit bet real quick. Hey, I'm going straight to it. Straight to it. Eagles for the win. On put respect en Les débuts sont tellement sphères de respect. Là, vous venez vous montrer que ce n'est pas des petits crétins sur le terrain. Ok. Saquon Barkley, over attempt. Je dirais rushing ouais. and receiving, over yards. Mm -hmm. Et puis un touchdown. Les gars, les gars vraiment 10 Eagles. Yes. Premièrement, vous rentrez dans la game déjà underdog, three, three points favorite euh, les Saints. Mm -hmm. euh, moi, je vois les Saints smack les smack. gars. Smack, smack les Eagles. Euh, comme Niki a dit, moi, Rashid Shaheed c'est mon, 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 mon go to guy. Euh, je, je vois Rashid Shaheed avoir 75 verges et plus, puis un TD. Bon, pour derrière cette game là, écoutez-moi. <laughs> 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 si c'est pour le pour les plus prop, oui c'est y mais pour le, pour le le side. Niki veut pas commencer à mettre sur les, les <laughs> c est, c est... Je, je veux pas mettre sur les set live. puis c'est là que tout d'un coup, vous voyez la marge, mm. so. je vais aller avec euh, deux teams que je pense que qu'ils euh, si n'ont pas de defense. On va continuer avec euh, le over. Le over dans la game. Je pense que les deux teams peuvent marquer. Euh, puis, je, le, en affaire que les Eagles, je trouve que c'est bizarre pendant qu'ils n'ont pas AJ Brown. Euh, mm. Il ne sait pas à qui lancer à part mm. Devonta Smith. Il ne lance pas au Tyden. Coderde, Coderde, puis lance pas dans 10,9. J'ai remarqué que la dernière game, il y avait le, le receveur qui s'appelle Kovy. -Ko mm -hmm. euh, ouais, -Ko J'avais peut-être 6 catches. Yeah. Ouais. Ouais, peut-être lui, par oh, ailleurs pa ouais, pa 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 ouais, sur lui. Oh, ouais. 3, 3, 3 plus catches. Ouais, mais j'irais avec euh, Jalen Hurts, euh, rushing attempt over, comme 9,5 rushing, rushing attempts. C'est 9,5 yards son rushing line la semaine passée. Qui ça Ouais, ouais, là ça a augmenté. Uh, là ça a augmenté. Non, c'est à temps. Là c'était. Hop, ça atteint, ouais, à, à temps Ouais, 9.5 à temps. moi aussi j'ai ouais. pas. À ouais, ouais, c'est tout ça. Euh, ça. Je mettrais 9.5 à temps parce que je sais que les, les Saints, c'est pas la meilleure team pour cover les, les, les QB à la base qui courent. So, j'irai avec Jalen Hurts, uh, rushing à temps ou rushing yard. Parfait. Next one. Uh, Texans versus Vikings. C'est uh, tu sais quoi Spenty. Une bonne game, ça. Une très bonne game. Uh, une très très bonne game. Mais je pense que c'est là que Sand Arnold va choke. Yep. Euh, CJ Stroud et les Texans vont win. Je donne un TD à Joe Mixon. Puis euh, Nico Collins over five catches. Stephen Diggs euh, va tuer cette game-là. Je pense que la dernière game, elle n'a pas assez dérangé. Cette game-là, ça va être all about him. Euh, je vais le donner à son ancienne team aussi. Over, five, over seven receptions, over 100 yards. Euh, euh, Il t'a moi aussi, je vais aller avec euh, les le Viking, après avoir battu 49 je pense que c'est. Je pense ils va être... avoir un down, mm -hmm. Moi, je vais aller avec le celui qu'on n'entend pas vraiment depuis que Steven Diggs est arrivé. Tank Tankdale. Tank Dale. Think Dale. Think Dale. Think Dale, anytime touchdown. C'est ça, ça game. Il est dû. Le touchdown fait du sens, mais je suis pas sûr que celui-là va chier la game. Moi, je pense que ça va être. est Colonel versus team. Mm. <rire> <rire> euh, bon. Et ils ont encore joué contre les, 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 euh, les, les Bills. On pensait qu'ils n'étaient pas bons parce qu'après ça, ils ont perdu la game, ils ont pris un comeback. Mais on, de ce qu'on voit là, les Bills ont l'air d'être une meilleure team qu'on pensait pour commencer la saison. Ils ont pété euh, les Rams. Là, ils vont jouer contre euh, les Lions, je pense. C'est le, 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 le test. Là. Puis Calamaru va avoir un struggle parce qu'on sait déjà que Hutchinson passe en une seconde, il est dans le backfield. Calumet va devoir s'enfuir comme pas mal tout, tout le temps. toute la game. Mais je vais still prendre les Cardinals pour Cover plus 3, peut-être Up Upset. Euh, puis je vais aller avec euh, the, the Dog, Marvin Harrison, euh, over dans réception. Ah non, over dans Yard, Yard. Je pense que c'est 57. Okay. Euh, J'aimerais ça dire les cards, mais je ne peux pas. Je veux dire, c'est la game à Amand St. Brown, the Sun God. Euh, fait longtemps qu'on n'a pas dit son nom. Donc euh, moi je dis qu'il pop off, sans verge, un TD. Jared Goff comeback, un petit peu comme il a fini l'année passée. Euh, ça va être une tight game, je pense que ça va être une game euh, offensif. Euh, je suis d'accord avec toi, um, um, Omra va, 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 va out cette game là. Mais je donne quand même aux cards, je pense, cette game là. Une tour des cards, ça va être euh... home. Les cards sont home. Hmm. Moi, je pense que euh, James Conner va faire un run qui va démoraliser. Ah non, lui, je pense pas. Je pense que James Conner, je mettrais en deux. Il n'y a tu... aucune équipe qui peut courir sur le pass rush. De... Non? Il a une Lady La euh, Lady mais elle passe immédiatement. Là, comme c est, c est, si Kinsale. tu veux battre les Lions, tu dois lancer le ballon. Ok. Euh... Tu n'as quasiment pas la chance de lancer le ballon. Mmh, donc, toi, même ce... va courir faire des courses. Euh... Ouais, Calmeur va courir Calmeur... parce que. Plus que connu. Ok, selon moi. so over attempts Cal, Cal, Cal uh, Murray. Et la dernière game, Jaguar versus Bills. C'est mon get ami. C'est Monday night. C'est Monday night. Ouais, C'est Monday night. Il y a deux Monday night. Il y a deux Monday night. J'ai deux... vu, j'ai vu, comme ça. <laughs> God okay. damn. Il y, a, <laughs> il y a deux Monday night. Il y a aussi euh, Commanders contre les Bengals. Ah. Ah, j'ai voulu. J'ai voulu. Vas-y. Why was his Bills? Bills? <rire> bills? <rire> bills. Euh, bills puis James Cook. James Cook, Cook. All right. Moi, je vais aller avec euh, Bills aussi. Là, je vais faire un petit risqué. Under euh, 45, le line. C'est ça que tu cherches? Non, under, euh, passing, attempt, um, Bills. OK. Pour, ça fait, euh, ça fait sens dire, parce que je pense qu'ils vont euh, courir puis gagner. C'est ça aussi. On aller avec Jaguar. Euh, c'est la dernière aussi. On va jouer là. Donc, so, Jaguar, c'est le revenge game de... Euh, comment ça s'appelle? Le, le receveur, là. Gab Davis. Oh Il n'en pas re-signé. So, on va Une aller avec Gab Davis, sans verge, un touchdown. Oh Jaguar gagne la game. Écoutez, écoutez pas Niki. Écoutez <laughs> pas Niki, s'il vous plaît. les okay. listen to là-dessus, listen les me. All right, guys. alors aussi, pour les prédictions, là, on va aller avec le Team parlay. Vous avez regardé vos games, j'ai vos games, là il faut qu'on like, c'est so, okay, on va pas on peut être 0-3 là, on va être 0-3, it makes no sense, on va tous écouter, mm -hmm. so, je prends mon temps, Spenty, tu peux commencer Spinty ah, Niki, Niki je sais qu'il y a déjà son bet locked in, ouais, même, pas, même pas, même pas, même pas, c'est tough, man. et moi mais je vais prendre de, Texan, de Texan, alright, 2 points point favorite contre les Vikings moi, je regarde les Raiders contre euh, les Panthers. Safe bet, Raiders, j'imagine. Hum mm hum. Okay. Oh, that's go. <rire> <rire> Ça se peut que ce soit moi encore qui qu euh, qu nous fasse chaud. Je vais aller avec... Euh... Oh my god, c'est top. Du coup, bon, tu sais quoi? Safest to the safest. T'as pris Raiders? Non, t'as pas pris Raiders. T'as pris Raiders. Je vais prendre... Browns. Over Giants. Si on perd ça, c'est fou. C'est fou. C'est fou. fou, de vrai. Okay. Si on perd ça, c'est fou. C'est fou. Texan, so, euh, Raiders, mm -hmm. puis, nice. puis Browns. Ça fait 3.28. Browns, right? Ouais, T'as Browns, hein? Oh, uh, Browns. 3.28. Yeah. Hey, Si 30 coudes, ça va faire... C'est vrai, le commencement d'une... D'une belle histoire. une belle histoire, ok? Un, deux, là, alright? Sur ce, ok, that was it pour la partie section B. On va faire la section... Yo, so we making money? Ching, 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 ching! This is gambling, this is gambling time, man! C'est tout gambling, alright, alright, alright! C'est toi encore qui choisis. Moi encore? Niki a choisi, là. Non, non, c'était moi C'est moi, c'est là, c'est Niki. C'est lui qui a choisi. Il laisse beaucoup encore. Ok. Je yeah, vais right. filmer les cartes live. Là, ça va se hein? pas foiré. <laughs> Commence Roquan Smith. Khalil Mack. I like that. Hey, yeah, okay. Eric Wollin. J'ai aucune idée de c'est qui. Yeah. Eric Wollin. Trash. The Ox. Hunter Henry. No. Oh, Dakota Prescott. Pink. Yep. Plus that's money. Aiden O'Connell, rookie. That's pay. He's still starting QB. Can will starting QB? Darnell Washington. What? Well, no. woolen What? What? Tyreek Bon, on va voir. Moi, on va euh, moi, je pense sincèrement les trois tops, c'est uh, Khalil uh, mac mac Mack, Mack. Et rookie uh, Aiden O'Connell. Et maybe, maybe Rock'n's. Maybe. Hmm. Parce qu'il y a quand même eu une bonne saison au Ravens. Hmm. Mais son trade, son on échange de Steelers au Ravens, tellement traite que. C'est Queen, Patrick Queen qui est allé oh, de Ravens. Du coup, cool, c'est vrai. Oh, oui, il était avec les Bears avant. C'est vrai, t'as raison. Ok, parfait. vais à rajouter right, guys. I hope you all win money. I hope we win money. I hope uh, everybody wins. We want everybody to win. On veut tout le monde gagne de l'argent. Tout le monde gagne, gagne, All right. Sur so, ce, so, so, encore merci de nous écouter. Like, share, subscribe, comment. Et dites-nous si vous n'aimez pas nos bets. Si vous aimez nos bets, let us know. Puis stay tuned sur euh, notre euh, IG page. On va les poster. Euh, ça sera plus facile aussi à voir. Parfait. All right, guys. Ciao.